C'est sans son meilleur buteur, Jonathan Kodjia, suspendu, que Angers va tenter de se relancer dans la course à la montée face à une équipe de Tours aux portes de la zone de relégation, mais bien décidé à ramener des points afin de se donner un petit peu d'air dans ce championnat de Ligue 2. Le Tour, hein, 17e du classement face à Angers, 6e. Angers qui ambitionne, eh bien, de retrouver, pourquoi pas, la Ligue 1 à l'issue de cette saison. La première action en faveur de Tours avec ce ballon dans la surface de réparation et l'intervention de la défense d'Angers. Un Tour qui continue de pousser ici face à Angers avec ce ballon mal contrôlé, mal négocié par la défense. Il va falloir, eh bien, une bonne intervention de Butel pour éviter le pire à ses coéquipiers. Angers qui va réagir avec ce ballon, ce petit centre destiné à Charles Diers, que malheureusement le milieu offensif ne peut récupérer. Tour qui commence à subir dans ce match. On retrouve Charles Diers et sa frappe du pied gauche qui va passer à côté des buts Tourangeau. Angers qui a trouvé enfin d'un petit peu de dynamique dans ce match. Le retourné tenté par Ngando. Ça aurait pu être le but, hein, de cette 23e journée de Ligue 2. Et Tour qui va continuer à pousser avec le centre de Bergougnou et l'intervention en trois temps de Butel. 0-0 donc entre le SCO d'Angers et Tours après les 45 premières minutes de jeu, mais on a vu de belles situations, et notamment du côté de Tours, bien décidé à prendre des points aujourd'hui sur la pelouse de Angers. Le coup d'envoi donné par le SCO d'Angers dans cette seconde période. Et vous allez le voir, hein, Angers qui va se procurer la première occasion de cette seconde période. Les hommes de Stéphane Moulin par l'intermédiaire de Diers. La frappe stoppée somptueusement par Camara. La belle envolée du gardien Tourangeau qui permet à son équipe de rester dans le match. Et puis Butel, hein, lui aussi, qui est mis à contribution sur cette belle frappe enroulée. L'ancien gardien du FC Metz, brillant aujourd'hui. Et puis ce ballon dans la profondeur qui va permettre, eh bien, à Angers, à la 89e minute de jeu, à Camara, eh bien, Angers de marquer enfin ce but après cette mauvaise relance. Le ballon dans la profondeur de Mangani, la nouvelle recrue qui arrive du Chievo Vérone. Et Camara qui permet donc à Angers de faire la différence alors qu'il ne restait quasiment que quelques secondes à jouer dans le temps réglementaire. Et Angers qui va même faire le break à la 93e minute de jeu grâce à ce superbe but inscrit par Sacha Clément. C'est la 5e victoire en 7 matchs pour le SCO d'Angers qui se relance totalement dans la course à la montée. On revoit ce but absolument magnifique du jeune attaquant d'Angers. Victoire finale 2-0 face à Tours.